Monsieur Talès, qu'on moins bouton Freddy par les vents là. Et l'eau a presque coulé en zéro. Moi, ouais, ça. Ouais. Ah oui, parce que c'est toutes ces images-là qui a viré, depuis préparation grève-là, depuis débauchage, depuis Comarie-Louise, à sous la plage. Et puis, c'est Bouddha qui a mort, hein, qui était, et puis nous en grève-là. D'autres qui sont toujours vivants, il y a encore Monté Kaye Josette Beaumaré. Et tout ça qui a fini, quoi, c'est, ça faut, ça faut. Alors, où t'es là, où t'es en acteur? Parmi un certain nombre de camarades, disons que c'est une histoire qui commençait depuis les 72. Ni un le monde qui comprend, c'est un grève comme d'habitude qui pétait, gendarme vini. Et puis, au cas où est l'histoire en manière habituelle, quoi, un jour. Mais c'est un rupture qui nie. Entre avant 74 et après 74. En 72, nous étions un type, il était créé le GAP, groupe d'action prolétarien. Et bon, c'était ça, il était créé les gauchistes à l'époque. Et nous t'avons fait la révolution au pays. Nous t'avons un petit journal qui avait été levé. Et puis nous avons tombé en moun, bon cimetière des riches là. Madame Lanka dit, c'est des révolutionnaires, venez de nous. Parce que les îles de Kouide, nous, tout en quartier l'estrade, ils les vendent ça qui ne peut pas acheter, ils ont Kouide. Venez de nous pour nous résister. Alors, je suis monté, et puis Jean Abol, nous avons commencé à aller au monde pour faire un comité de défense. Et nous avons allé à Madame. D'abord, c'est Mamaï François ou qui laisse Jean Abol? Ouais. Non, c'est Mamaï Parfond là, il est pas ça. Parce que comme il y a Abol derrière le club franciscain. Eh bien, il était à jouer boule aussi, et il a arrêté, il suspend jouer boule pour militer. Ah. Il Jean Abol là. Qui donc nous avons allé à Madame pour dire, ouais, il faut que nous fassions un bail pour terre. Madame, là, il est délicace. Madame, là, laissez-nous parler pendant 10 minutes. Puis là, nous finissons par les dire. Zotka, ça m'a zot bien gentil. Zotka, pète ton zot. Aïe. Zotka, fait ça, c'est mon nom qui a goûté, et puis tout ce monde, zotka, le wè, yon ni bef en les savants bétia, yon pas ka jen et matcha dans le comité tal. Si zot le fait en bay pays zot, tire nous en l'esclavage, bon non. Madame Delicace Laïli qui a dit nous ça. 72. Madame Delicace Laïli. Laïli. Il a parlé d'un film Camille Modouèche là. Et qui donc, là nous sortons. Il vivant toujours. Il vivant, il est bien fatigué. Ah ben, nous grâce à lui, hein, si qu'à côté nous, et puis si en forme, il réagit. Oui, ah ouais, ouais. Mais c'est quand bien, mais parce que toutes ces Ichli, c'est des combattants. C'est eux qui ont animé ASL, Association culturelle, l'Estrade, là, et tout ça. Ah ouais. Oui. Qui donc, madame Leca dit, nous autres, bien gentils. M'en passe à lui, m'en passe à écrit. M'en coûte les autres, bien. Si j'ai les servi peuple là, tirez-nous l'esclavage, bon, non. Et puis madame l'a retiré à côté nous. M'a dit ça incroyable. Nous peut pas imaginer ça madame l'a dit nous. En fait toutes les grands ouvriers agricoles. D'abord le cadre puisque tout ces monde à l'époque c'était un petit caillon fibrociment amiante. En Aosal, qui n'y a un réchaud à pétrole, en Colman et puis en salle et tout le monde en cadeau, en chambre tout le monde en cadeau. Et puis en fût de l'eau avant aller à l'école, c'était maman il a calé plein ça. Et puis, bref, madame Lanka dit nous avons marché 2 km pour aller en gare. Si vous avez nous travaillé, parce que c'est à la journée. La journée, oui. Vous avez dit nous choses. Les gérés qui ont fait chantage, ont laissé madame Lanka. Si vous avez une journée de travail, passez à la casserole. Vous pouvez voir témoignage, il a dit ça dans le film Camille Modouèche. Et puis, il parlait de nous. Il dit nous, manier. Les mains sortis là, et puis Jean Abol. Je garé l'auto à 200 mètres plus loin. Et puis il m'a dit, Jean Abol, nous pas en patate révolutionnaire, excusez le mot. Nous, c'est pas ça. Nous pas connaître peuple nous. Nous suspendons faire toute agitation nous t'es qu'à faire. Nous faisons une réunion et puis les 5-6 camarades qui étaient puis nous à l'époque. Et puis nous dit, faut que nous allions dans toutes ces communes pour connaître. À l'époque, il y avait 168 habitations Martinique. 168. Depuis première à dernière, c'était Simon François. Nous faisons un tableau et puis, quartier, c'est mon nom qui vive. 24 heures sur 24. Tous les jours comme ça. Dimanche, nous allons aller où c'est mon nom et puis nous allons parler, nous allons garder. Ça, il faut y aller. Pour avoir un exemple, plus d'habitation par là, c'est Concorde.
Jout à la, Jean-Pi, moi, nous mettez belle chimise, manche longue, bien pomponnée. Ouais, t'attends dimanche, quoi. T'attends dimanche, quoi, nous. Et puis, nous allons, ouais, bêtier, hein, Concorde, bonjour, monsieur, nous faisons un mémoire sur la filière banane. On va juste broder, d'ailleurs. Est-ce que vous acceptez de nous faire visiter la plantation? Oh oui, Gérard, venez chercher, menez ce monde là. Nous battions des autres tracteurs. Et puis, on a vu le vécu. Les femmes qui courent avec des régimes de 60 kilos sur la tête, en jambant des ficelles, glissant, etc. Et puis, le contremaître qui est près du chariot, il a un carnet, soit disant qu'il a marché un petit bâton chaque fois au déposé un régime. Mais nous, quand il nous venons pour veiller, nous, quand il pas a il a fait le match. Et faut que vous si vous pas ni 160 ans, pas ni journée. Le soir là, les mentres caïmènes. Je dis à la le soir là, les mentres caïmènes, m'ont fait un texte, m'ont imprimé ça au néo, m'ont cadeau en 72. Et puis, tous les années, m'ont fait ça, et puis toutes ces lèvres, 160 pages de mois, pour faire vous connaître. Qui donc, m'ont vu ça, là, nous fait enquête là, nous dit bon, toutes les commandes qu'a organisé, l'habitation. Alors, nous avons formé des ouvriers. Nous avons fait l'alphabétisation. Nous avons fait l'école Baïchio, en Babois. Nous avons fait. Tout ça pour rien. Pour rien. Formation politique. Pour dire tout ça, la lutte de classe, comme ça. Et puis, nous avons monté des comités clandestins d'habitation. Et puis, les plus valables pour dire bon, il faut que nous fassions un bagage, il faut que nous fassions un syndicat. Ça a roulé comme ça, juste en 1974. Entre-temps, tenions l'autre organisation qui a créé GS70, groupe septembre 70, qui a travaillé par Lorrain, et puis des Fred Vadigus, Piejos, etc. Mais ils tenions l'autre stratégie. Ils ont dit qu'ils ont formé ces gens pour entrer la CGT, et puis ils ont arrivé pour une direction de la CGT pour aller à un bel travail. Nous, de temps en temps, nous avons fait tirer l'autre, nous avons tiré l'autre poliment, mais durement. Et puis, 72 et 74 qui arrivé, les mamans là déclenché en grève à dans section CGT Vivé. Lorrain. Lorrain. C'est mon raconté nous. Mais bah là tu ben red. Alors les militants GS qui a venu ouais nous. Ils ont dit nous mamans, nous savons nous pas d'accord les tout bagaille. Mais bah là red en nous profiter pour faire un grève nationale en bon nom. Nous réunis toutes les l'a dit en grève nationale. De la France, pardon. National, sérieux, national, Martinique. Martinique, c'est ça, c'est mon nom, parler, comprendre. Eh bien, oui. Alors, nous avons fait une réunion à un petit caillou, tout est, Robert, cité la croix, à l'entour de Lampion. Et puis, les dirigeants clandestins que nous dit dans toute commune, et puis, représentant les mamans, Lorrain, les Toy et tout ça. Et puis, nous avons décidé, nous avons lancé une grève générale. Et nous avons rédigé les 11 points de revendication. Où va songer yo? Premier, hein? Bah, c'est au papier, là, où va songer ça? Mais, Badiou! Bon, nous y allons. Badiou! Sans marché, c'est moi qui tape. Les moteurs, les machines qui font les honneurs. Même manière, c'est moi-même là qui tape. Qui donc, premier point, hein? Nous, le SMIC, 35 francs 46. Parce qu'en tout cas, là, tenu le SMAG que les ouvriers agricoles ne pas touché. Salaire minimum et salaire minimum agricole garanti qui était dans les 25 francs. Mais même ça, il n'y a pas de toucher. Parce que comme il était à la journée, il était prêt pour l'argent, en moyenne, c'était 15, 14 francs, 15 francs qu'il était à toucher pour une journée de travail. À l'époque, tu as là. Et là, maman, il faut que tu connaisses la vie pays. Hein? Là, il a touché l'argent, tu as là. Il n'y a pas qu'à bailler l'argent. C'est bonne habitation. Le vendredi au soir, tout le monde aura fini d'ouvrir boutique l'habitation. Quoi en 1870? Il n'y a pas bailler l'argent, donc il n'y a qu'à rentrer en boutique là. Payer quand on est là. Puis c'est qu'à prendre un crédit pendant 6 mois. Délai par été ailleurs. C'est ça la vie des ouvriers agricoles. Premier point, nous avons demandé le SMIC. Deuxième point, c'était les. Fiche de salaire, puisque vous n'avez pas passé mon fiche de salaire là et le paiement des heures supplémentaires. Quatrième là, c'est interdiction des produits toxiques.
Parce que en 74, moun te ka tombé en l'habitation, nous te ka wè moun, pas seulement Claude Déconne, Némaku, okay, Kepon, etc. Mais moun nan ki te ka fait te fongicide là, et puis ti appareil dans les dos là, pour être dosé moun nan brilé, pour yon nan men yo, parce que yon pas ni protection. Donc, c'était quatrième pour tirer ça. Et puis te ni les tâches, fixation des tâches et tout. Donc, c'était programme de revendication. Là, nous déclenchons grève là, c'était des bonnes marchottes. Alors, t'es ni un bon marchot qui a sorti dans le nord, et puis nous t'es ni un bon marchot, le sept, c'était Robert. Yo t'es qu'à jouer une cité là, quoi, justement. Et puis, yo qu'à converger, yo qu'à déboucher, yo qu'à, et puis nous qu'à jouer, nous qu'à faire des grands marches, quoi. Mais, comme les syndicats, la tête CGT partait au courant, l'État partait au courant, travail clandestin, nous t'es qu'à faire. Tout journal commençait à dire c'est une bande de gauchistes, de maoïstes, payés par Cuba, payés par la Chine, et que les gens ne veulent pas faire la grève, qu'ils sont obligés de faire, etc. Et donc, ils ont sous-estimé ça. Sauf que nous avons des mouns en bas bien organisés, et puis surtout que nous tenions un modèle de grève et de pédagogie. Enfin, l'on va aller en grève de pédagogie, c'est pour expliquer ces moments-là. Avant, dernière grève là qui fait dans les années 60, c'est pas là. Jusqu'à 74, c'est première grève, et il pas ni des bonnes raids. Parce que c'est mon nom, il était qu'à déguiser tout ça, il était qu'à descendre, et puis bateau. Mais qui s'est passé, mon nom, à côté, non? Qui s'est passé des bonnes raids? Ça veut dire que les éléments les plus radicaux qui les fait grève là, il y a des gens dans l'habitation, et puis des masques parfois des noms de cas déguisés en femme et tout ça. Puis il y a arrivé, la gueule travaille là, sur tout cette heure, la gueule ça. Moun ka couru, moun pe, les plus raides qui ka vini jouen yo. Et puis bon nan ka gossé, et puis des moun qui au combat. Oui. C'est ça qui te ka fait. Mais là, d'où ka arrivé à dans ce bail là, c'est un gars, moun ka crié. Il était pas tellement jambé en bagaille, déchiré, tuisli. Il était pas du fait que. Grève qui arrivait. Bounga dit nous, pour manger là, pas battre nous. C'est mon bail là qui a arrêté. Mais non, mon bail. Nous pas pour forcer les autres. Si j'ai les choses, mais mille points de revendication. J'ai pas qu'à souffrir assez. Tout ça. C'est mon nom qui a arrêté, qui a gardé. Et puis au fur et à mesure, qui a fini. Et puis grève là qui a été en étonne comme ça. Ce qui fait que là, c'est mon nom, ouais, que c'était un bagaille différent. C'est mon nom, c'est vraiment. Mais c'est un travail pour yo, c'est pas pour cause autre. Aïe, aïe, aïe. Parce que certains grèves qui ont fait la croix, on dit que c'est bas, alors. Mais là, c'est bas, peuple là, on a travaillé. Surtout que les premiers militants qui ont accompagné les ouvriers agricoles, m'a parlé de GS et des militants du GAP. C'est mon ta là, yo Jacques, c'est mon nom connaît yo. Donc c'est pas des étrangers. Puis après ça, ni d'autres intellectuels qui viennent s'y porter. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais c'est mon nom connaît yo. Les autorités, et la CGT, même le PC, ouais que c'est un bail qui te porte à l'an, ça a changé d'onde là. Donc c'est là que yo commencé à prendre paix. Il y a une grève là, pas affaibli, et puis c'est ouvrier qui a mené. Tellement que Jou Chalvea, c'est un seul intellectuel qui était là, un seul militant, c'était François Rosas. Parce que maintenant, il te dit, maman, c'est mon nom qui a embêté nous, et puis ça fait intellectuel, tout ça. Nous connaissons des affaires, nous savons que nous avons mené, pas venir. Nous pas disons. Il c'était qui moun? Cabrimol, Mme Cabrimol. Mme Cabrimol, un dirigeant du Nord. Du Nord, oui. Pas venir. Et il a dit quand même, mais non, mais il faut qu'il y ait un monde pour s'y arriver pour faire le contact. Et c'est là François Rosas allait. Heureusement, parce que comme c'est Bouglaté venu pour tuer, et il connaît les militants, peut-être il y a des militants. Titoy, alors c'est Cléon Krabimol, Rich Montoy. Lui, c'était un cadouvrier en légère 70, bien formé. Eh bien, c'est chemise qu'il a trouvé, et puis une vingtaine de trous balades. Parce qu'il n'y a pas tiré. Mettez en tout zonana, en bout de zonana. Et puis glisser. Donc, c'est ça qui fait qu'un panier plus militant qui mort. Mais c'est Bouglaté fini pour tuer. Donc, pour dire que c'était un bac qui très, 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 très raide. Mais, enfin. Ceci dit, il n'y a pas arrivé à tuer grève là parce que tu as un grand soutien.
Alors, il y a un grand sourire, moi, quand il est arrivé là. Il était dans le bagage là à l'époque. Il était là, il va mettre la jolie. Il n'y a pas de chapitre. Il a mis un examen parce que il a été des militants, il a mis des. Yo t'ai fait des procès et tout ça. Ouais, Ferdinand, moi. Alors, là, c'est. Mise en examen, t'es ni 7 fois. Pourquoi rentrer? Ben, on dit bonjour. On dit bonjour. Un problème. Alors, la mise en examen. À la suite procès, il était une 3 jeunes via pilote. Ferdinand, Zamor, via Gregoire, et puis moi. Et puis, t'es une 2 pour Saint-Joseph, c'est Cabot. Et puis Crétinois, c'était un grand Chabin qui a dirigé. Il était bien en balle. Oui, il était blessé, Chabin. Oui, il était Chabin. Chabin, donc, moi, quand je me demande, en français, Dieu ne dit pas, excusez-moi, recevez mes excuses. Je m'en prends un bout de mousse pour matin. Hein. Ça a arrivé. Il m'a fait tout. Chimé-Cochy. Chimé-Cochy, pour arriver à Radio. Moi, quand même, c'est ça y est, il a accepté l'invitation. Moi, je suis écouté à Radio pendant qu'il descende. Et il a expliqué, alors, il a expliqué, évidemment, qui m'a dit, vous m'organisez quoi, etc. À travers le gap, bon, pas ni même version. Oui, soufflez, oui, vous souffrez, oui, vous souffrez. pas ni même version historique là. Uh-huh. Il dit, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, lui, c'est quand même. Mais ce qui est important pour nous comprendre, c'est que deux bagages qui sont importants. Entre 1870, section du Sud, et 1974, il y a un siècle de lutte. Oui. Ouvrières dans les campagnes et bien, paysannes. Bien en face micro. Mm. D'accord. Qui chaque fois débouché enlève évidemment des tueries. Un siècle. Alors, qui ça a expliqué ça? Adam modèle économique coloniale qui est mise en place à partir de 65-56. C'est la faillite des sucottes des petites habitations, la création de grands domaines et la création d'usines centrales. Alors, mon comté, effectivement, en 1980, c'est M. Yadi Père qui fait une étude spéciale en les usines centrales à travers un ingénieur qui est Bougineau, qui était pratiquement propriétaire à 50% de toutes les usines centrales à Martinique. Mon côté, 25 usines centrales qui ont couvert la Martinique. Fort France tenait 2, 3. Il y en a qui était avant 1948. T'as la vie à monsieur, t'as la vie à madame. Correct. Et tout ça, c'est bord des cours d'eau, effectivement, parce qu'il y a encore petit. Et où tenir environ habitation de plus de 300 hectares, ou quand imaginez le corps, où tenir plus de 300 habitations plus de 300 hectares. Pucci, il y a un delta là. Donc, une usine centrale là, qui créée par le, soit créée, le crédit foncier colonial, qui va la BDF et crédit martiniquais, ça c'était crédit. Et crédit pour ce que d'ailleurs, il y a actionnaire. Au quatrième principal actionnaire, Bougineau, Pucci Bougineau. Bougineau, c'est un ingénieur qui était venu installer la première usine centrale là, Fort France, avant 1848. Et puis des techniques de fabrication de sucre différents. Et bien, parce qu'avant, c'était dans les sucottes, où il y a des sucreries, il y a 6 chaudières, en tout cas, 6 rois de chaudières, effectivement, il y a un espèce de cassave, je crois que ça en. Mon bien-aimé, il t'a mis dans beaucoup en terre et que ça t'a expédié. Mais le modèle des Intala, il a pris, et qu'on a, il a travaillé lui-même et qu'il a sorti en boutelie en sucre qu'il a. En première, c'était cassonade et dernière, c'est un sucre grain qu'on tenait. Et ça a révolutionné, évidemment. Mais en même temps, il faut que ça sache que l'indemnité aux propriétaires des Slaves, je ne touchais que 25%. De l'argent était pour Bayoua. Et 75% formés, effectivement, sera créé un fonds d'investissement pour les banques, cette fameuse banque que créé l'État. Et ces banques-là, tu as financé, tu as bonne action, ben les propriétaires, a obtenu deux bouts extraordinaires. Deux bouts qui font de l'argent dans ça. C'est Bougineau qui est ingénieur. Et puis M. Eustache, qui était gros commerçant, ses pieds et pas export. Eustache, vous dites? Eustache. Ouais. Pas bien, on est ici, maman, diamant, non? Alors, non, parce que ça fait, non, nous savons, après, quand ouais, Eustache, ouais. C'est cet Eustache, c'est ce qui était bon, ça n'a pas ni correspondance. Mais famille, là, pratiquement, c'est origine de la Garrigue. C'est l'île de la Garrigue,
parce que Bougenot épousait Mlle de la Garrigue. Alors, justement, parce que comme nous ne pouvons pas parler, donc ça a fait 50 ans, ça a fait 50 ans quand même. 50 ans, mais 50 ans, moi, je vais monter très loin pour comprendre qui maniait le poids de l'usine et le poids de la grande plantation de la canne à sucre modifier le comportement social de la Martinique. Et toute grève sociale qui fait 1923, la marche de la faim et l'assassinat d'Aliker, Basse-Pointe, le coupé de tête de la Garrigue, et ensuite la grève du Carbet, la chassin du Cos, 1961, Lamantin, d'accord ? Vous remarquez, toutes ces grèves-là, c'est en position frontale entre en classe ouvrière de l'agriculture qui est très nombreuse, le cas compté passer 40 000 officiellement ouvriers agricoles, sans compter Tibon, c'est-à-dire Timon Maï depuis 5-6 ans. Ça, c'est l'amiral de Guédon, nous n'y pouvons Guédon, enfin ça, c'est l'amiral de Guédon qui mettait sans place, à d'autres temps, et puis les passes pour ça. Donc, sous les, il y a un processus. Et Fontaine là toujours ? Oui. Bon, il faut l'histoire. Non, c'est une question que je pose. Il faut l'histoire, mais ça va, Magado. C'est modèle économique colonial de grande plantation et d'usine qui met en classe ouvrière agricole exceptionnelle au nombre, d'accord, qui régulièrement en bute et puis l'usine, et puis les grands planteurs. Et ça, ben, en 64, alors Pucci... Ah, monsieur, ça a été dit en bas. Non, ça, on a dit, c'est important, mais avant d'arriver, on a dit que 74, ça fait une rupture. Entre ça, on a dit, et après. C'est oui. Débat difficile. Alors, toute grève qui tenait, quand il tue le monde, nous avons fini, grève là, c'est fini. Sauf que comme c'était une grève qui était préparée par des militants, et puis quand il y a mis des cadres politiques formés en bas-bois, ça permet que le mouvement nationaliste, patriote, comme les marxistes, intégré dans la population, et puis il y a fait un bon après. Alors, on va aller vite parce qu'il y a des débats qui fait entre 47 et 70. Entre 47 et 70, la CGT et la Fédération communiste et le mouvement communiste et le Parti communiste, si on était qu'à contrôler. Mais c'est justement ça m'a expliqué. Je t'ai mis ça en main. Justement, c'est ça m'a expliqué. C'est qu'avant, tu as mis un monde. Oui. Et puis, il y a un changement qui fait que des politiques différentes qui pas le Parti communiste, qui pas les sociaux des départementalistes, ils ont implanté dans le peuple. Ça, c'est un premier changement. Deuxièmement, conditions sociales. Grève, les ouvriers agricoles changeaient fondamentalement le semi-esclavage. Parce que nous pas arrivés à attraper le SMIC, il était couronné nous pratiquement. Il était le SMAG, salaire minimum agricole garanti. Ça c'est avant. Ça m'a, nous, enfin, avant, m'a expliqué que revendication c'était le SMIC. Oui, 37 fois. Grève Tala, nous pas arrivés à gagner parce que les négociateurs signaient en bagaille contre l'avis du comité de grève que c'était 35 francs 50 salaire conventionnel. Ouais. Mais n'empêche que là, on passait de 14 francs à 35 francs. Ah. Hey. Et puis, quand on commençait une fiche de salaire, et puis on commençait à payer supplémentaire, tous ces gens qui étaient à vivre dans le caillon fibre, ciment, des salles-là, qui partaient ni d'eau, en quelques 3-4 ans, ils ont commencé à faire caillon ciment, ils ont ni d'eau, ils ont ni lumière. Il y a arrivé aujourd'hui à acheter un téléphone, un ordinateur baïcho. Donc il y a un changement de condition. Et puis, psychologiquement, c'est depuis ça ouvrir agricole qu'a metté Koyo devant Béti. Toujours n'y a des flatteurs. Mais il y a metté Koyo sous séquel. Sous séquel. N'y a des qui a venu devant Béti. Non, nous pas fait ça. Et puis devant les élus. Mais attends, avant d'arriver là, il y a un important, c'est que. Entre 60 et 70, l'usine fait mériter deux usines. Larenti. Et puis Galion. Les élus mettaient d'accord, ils ont fait deux SEM. SEM Larenti et SEM Galion. Mais si ces deux SEM-là, il y en a qui disparaissent rapidement, c'est SEM Larenti, ta Galion, une superfusion. On a créé ça en usine anthropologique, c'est-à-dire qu'elle servit uniquement à dire qu'il n'était ni qu'un hébicycle avant. Ça, c'est un premier point important. Mais deuxième point important aussi pour nous bien comprendre, c'est que le Parti communiste très affaibli, la CGT, pratiquement disparaître dans l'agriculture. Dans l'agriculture. Et ce qui est important, et Makadou, ça, c'est ces modèles management, quoi que c'est en français, d'habitation, c'est papa et Tébayo, c'est gênant qu'ils reprennent. Ils reprennent le même modèle-là. Mais Adam, qui ça? Adam, modèle économique différent. Bonanan, c'est pas quand. Bonanan, c'est pas quand. Et ça, ça a été expliqué d'aller à ma radio, à manière, c'est mon entrée à vie, etc. Ça a changé complètement.
Et c'est au vieil école là, surtout, alors, dans l'invitation, c'est pas de François, c'est le vieil plot, la fouchien vilain. Non, Simon, Simon, pas... Oui, mais au dans l'invitation, Martinique, où j'ai joué dans quatre autres, c'est au François. Simon, oui. Simon, mais il vient plotter une invitation avec la fouchien ville. Bon, c'est géographiquement, là, on garde les quatre là, et puis au sort. Bon, bon, c'est pas un problème. Mais on y raison, on nous qu'on inclut, nous qu'on inclut ça. Pas inclut, parce que c'est là qu'il n'y a plus qu'un incident avant Chalvet. Oui, oui. Incident militaire avant Chalvet. Il y a trois incidents avant Chalvet. Parce que si vous pouvez permettre, pourquoi c'est mon nom comprendre pour qui c'est pour Gavini, c'est Gad Mobila qui est enragé. Il a fait yon courri. Mais qui t'en est que la fait yon courri? Alors, un, Fougueville, trois fois, Fougueville, yon chargé. Fougueville, et puis. Attendez, excusez-moi, mais monsieur Fonsa bien dit, yon chargé nous. Oui, oui. Où t'es là? Mais oui! Alors, nous avons expliqué l'histoire politique, ces mouvements qui est très important. Parce que, donc, quand j'ai fini l'explosion moyen, jusqu'à présent, ces bananes, c'était Baïti planté. Oui. C'était Baïti planté. On était des députés du sud, on a créé Sablé, on a créé député banane. Même si dans le sud, il n'y a seule plantation banane, c'était Rivière Pilote. Tout le reste, c'était Conne, la Mantin, la Rétire, etc. Mais on a créé, parce qu'il a fait campagne, et puis sac l'argent, Rivière Pilote, il a dit, je vais acheter un nègre. Je vais acheter un nègre, et puis des petits cochons. Et tu n'as lieu à Rivière Pilote au bout, dans le bas. Tu n'as pas de bain, non. Tu as la paix rabbit de Rome. Et tu as ouvert sa clé, tu as ouvert valise là. Et ce moment-là, tu as venu prendre l'argent pour te voter. Bah, il partait le pièce côté. Il partait ni maire, etc. Mais il était ni comme adjoint, M. Sofa, suppléant M. Sofano, qui était maire de Rivière Pilote. Rivière Pilote, c'était en grosse commune en 1960. Dans les années 60, il y a 11 650 habitants en 70. Donc c'était en grosse commune. Comme les îles marins, alors, en anecdote, là, les îles marins créées, il était ni 350 tailles. En 1960, l'usine marine a 3000 hectares dans le sud. C'est-à-dire, toutes ces habitations passaient en balle en main l'usine marine. D'accord? Alors, on voit qu'on est l'historien qui fait des recherches, D'accord, travailler la tâche, et Sillon qui t'a tout son raconté qu'à l'air. Et en 1971, il y a un groupe qui a créé GS70. Le groupe 70. Alors non, c'est pas Badius, hein, c'est Polius. Polius, ouais. Non, il y a Vadius, Fred Vadius aussi, qui était au GS70. Ah, Fred Vadius, mais c'est lui qui t'a amené les cabrimoles en réunion et tout ça. Non, au cas qu'on fait mieux, non. Fred Vadius m'a dit au coup, maman. Attends, D'accord, tenez. Dipolius aussi. Oui, alors, principaux, ma pas bien, tu vois, principaux dirigeants. Vous avez dit police, c'est vraiment c'est bon, c'est bon. Alors, principaux. Vous avez dit pour marcher cochon, j'ai police, c'est pas normal. Non, non, principaux dirigeants, c'était Polius, Joseph, et c'était Maurice Vénit, instituteur. Vénit, oui, absolument. Nous, première activité nous menait, c'est l'Amazo. Barrage en Amazo. Je te prends le temps de laisser mon nom, mais d'un petit athée. Évidemment très bas. Et nous gommons effectivement pour mettre le comité en place, etc. Et puis, et mon lui félicité aussi qui mort d'accident d'avion. C'était les trois principaux dirigeants. Tout est clair avec la sécurité sociale et Mansé aussi, la sociale. Et c'est eux qui organisaient bah, là. Alors, je te fais dans la liste 13, pour que le 770, évidemment, sans l'honneur des sujets de 770, mais pas n'y a, maintenant, Marie Saint-Didimé, c'est pas tant un groupe marxiste-léniste, non, c'est un groupe marxiste-léniste, nous tenions un cahier rouge, qui était de logique, etc. M'a dit tous ces documentaires d'archives, moi. Bon, alors, et de là, il faut qu'on regarde d'Apollo, de là, regardez géographiquement, m'a fait étudier l'histoire, géographiquement, côté qui n'y plus monde qui a travaillé en banane. Et nous trouver, c'est le nord atlantique, entre Sainte-Marie et en pied à Joupa-Bouillon. C'est là, c'est un bassin banane. Et nous commençons, chaque soir, qu'à monter, qu'à voir qu'à parler, etc. Et faire réunion dans le quartier à Kaimoun. Et l'abbé Lorient, Moblinon, c'est en français, rivé, le Bougla, m'a dit, nous dit, Simonan, allez où l'abbé pour nous y en grand salle. Il a expliqué la situation, la belle, bon, non, sale. Et tous les dimanches après, la messe 11, une fois ou deux fois par mois, nous devons réunir ces mounans pour faire le point de la semaine. Nous devons sortir via pilote, faire dîner, puis moi. Nous devons sortir via pilote, nous devons monter.
et puis Nadiège Noël, madame. Nadiège. À bon cheval ou bien Adam Catrel. Adam Catrel. Mais rapidement, ça, l'autre est étudiant en France. Et l'on a très, Léon, j'ai qu'à suivre vous. Surtout, nous avons fréquenté Cabo Maçon, qui était un jour en avant. Je t'ai foutu un bel bras en 71, les peintrices. D'accord. Je t'ai traité de traître parce que c'est son officier de l'armée française. Et d'abord, nous avons en avant, et en 72, nous avons créé la voix du peuple. Et tu dis, Ferdinand, moi, Loïa, Jean-Claude qui mort, et puis d'abord, c'est nous qui avons créé la voix du peuple. C'est ça qui a servi de diffusion. Et nous, organisons, nous arrivons, si vous voulez, monter dans le nord, faire cours, apprendre mon lipi écrit, et débattre très raide entre le G70 et le GAP. Les membres du G70 étaient à penser que la stratégie, c'était prendre la CGT. Voilà, c'est bien ça. C'était ça. Or, le GAP qui arrivait après nous, tu as proposé avant dans cette gestation. Yo, le GAP, ça veut dire Groupe d'action prolétarien. Oui, après, groupe d'action prolétarien. C'est eux qui organisaient, attends, historiquement, c'est eux qui organisaient, nous ne verrons pas payer sans payer. C'est eux. C'est nous qui. C'est eux qui organisaient ça. Donc, tu tenais une activité dans les ports là, dans le bâtiment. Justement, avant d'arriver, je t'ai expliqué que qui maniait en 72, nous tombait en l'air madame qui fait nous. Oui, Malaeli qui fait nous changer de direction. Mais nous, nous t'ai choisi, effectivement, essentiellement, travailler en l'aide ouvrière agricole de la banane. C'est ça, nous t'ai choisi. Oui. Donc, si vous voulez, quand vous avez tout ce secteur-là, nous avons dit contact Pimentoy, M. Toy. Oui, absolument. Et Cyril, tous ces bouts-là. Les plus avancés, nous avons fait réunion, etc. Oui. Et en fait, nous ne savons pas à quel moment Grébert a déclenché. Parce qu'effectivement, il était un Français qui était un géant d'habitation qui avait d'assis sur Orbe. Il était un Français. L'entalé, oui, quoi, c'est là. Donc, d'assis sur Orbe, c'est un gros sucrerie qui était pour habitation. L'entalé, oui, français, c'est là. Il dit, nous, il est d'accord. Bon, nous, tout ça, nous commandons. Mais, maman des autres. De Meillac. Juste avant, parce qu'il était nous 10 minutes, c'est parce qu'après nous venir d'autres invités. Là, j'entends parler qu'ils ont fait Chalvé. Question, c'est Chalvé il y a 50 ans. Voilà. Un acte criminel ou un acte de dignité c'est de notre peuple. C'est les virés en l'air que nous avons commencé à faire les affrontements. Parce que c'est fondamental pour comprendre 74. Parce que ni ça qui fait Rivière Pilote, et puis ni un bail qui fait Soudon. Et sous l'initiative de. Nous avons créé le général Clément Barbara. C'était, monsieur était fait la grève. Soudo, c'est le matin. Alors, monsieur, c'est un stratège. Il était dit qu'il maniait pour marcher. Il était voyé en l'équipe environ 50-60 moun en avant. Mais ces gendarmes-là, c'est répi, ils ont cerclé ces moun, pas Soudon. Et puis, là, ils ont cerclé ces moun-là, autant d'un coup de sifflette, et puis il y a environ 200-300 ouvriers qui sont sortis. On sait ok ces gendarmes là. Alors gendarmes là, stratégie. Et bagay là, t'es manqué dégénéré parce que les commandes j'ai été cachembé, mais canon mitraillette c'est bougla puisque ils ont pas partir. C'est le dirigeant qui dit non. Ça, nous pas pour ça, nous pas qu'ils savent chose là, quittez ils ont parti. Et ils ont laissé partir. Mon café l'a fait et puis ils ont enragé. Donc là ils ont cavini. T'es ni un premier type aussi qui fait passe acier. Et là ils ont arrivé Chalvé. Alors, c'est en plein zanana à Chalvé, c'est pas banane, c'est zanana. Il a dit, on était ça, 75 cm. Alors, ni un guet-apens qui était préparé. Parce qu'à un moment là, les Bétia dit, préfet, arrêtez, puis baïta là. Et le gouvernement français a dit, non, ça a dégénéré. Donc, il a dit, jout à la, il faut que vous arrêtez ça. Et à un film Camille Modieshla, ou quand Bougla Blanc qui a dit, oui, je savais, j'ai dit à Machette de ne pas monter. Alors, ça qui fait, c'est que le groupe là rentre les plateaux, les arrivés tenir quand qui barré au devant, quand vini barré derrière, et puis l'hélicoptère qui a venu tirer, pap, mais il y a qu'à tirer pour tuer. Et moi, je profite pour dire que les deux madames qui arrivent sauver la vie, parce qu'ils rentrent dans le bus, Valdivia. Ni un seul, ni Marie-Flore aussi, ni un seul gendarme nègre, en fait, pas tenir un pile d'ec. Tenir un nègre, en boucle diamant, il football. Il était derrière le café, il ne s'est pas monté. C'est lui qui dit, rentrez serré là, pour sauver la vie des autres. Donc, et puis, il a tué ces gens-là. Mais, Dieu, bagaille comme on ne pas savent. Ben oui. C'est que les, il a trouvé Marie-Louise après, c'est parce que ces gens-là font l'erre. Marie-Louise, c'est. Tout portrait en militant du GAP, il y a crié Mano en Kaounou. Oui, pourquoi Mano? Mano en Kaounou. Tu avais la même pipi, moi. Et ces gendarmes-là comprennent que c'était Mano qui était là, c'est pour ça qu'ils ont toujours juré.
pour faire parler même malgré pas qu'on est taillé. Donc river c'est via cadeau il était sur les ponts là où est passé, c'est à dire c'est mon cadeau Marius mais était sur les ponts et après il redescend. Ouais, c'est ça. Bon, donc là yo Tchébé yo torturé parce que yo te comprendre c'est ça le nuit là côté 3h30 midi matin mon cari chiffre un appel mon cas anonyme de quartier. Il a dit, eh, Cyprien, c'était donc de guerre moins. Montaignan, bah, qui fait là, parce que nous, un jeep gendarme sorti. Ouais, la capote. La capote, mais il doit jeter, ouais, mais il n'y a pas de libre. Montez, m'a crié, petit frère, moi, aux Zambéo, qui t'a fait une photo. Il passait, joint moi, et nous, il fait, joue pas, bien ouvert. Et nous, ouais. C'est pour ça que je dis, Bouglané, ça n'a pas vraiment été témoigné. Il n'y a pas de traces, nous, fait photo, toutes ces traces tortues là. Cigarette, coco, ti bougla crasé, oui, oui. Gonflé, joli cassé, la pion, boule sang. Nous faisons toutes ces photos. Hein. Et puis, ti pou frère, moi, descend développé. L'après-midi même, nous avons passé à montrer moun ça. Et yo torturé bougla. Et tellement que, deux jours après, les gendarmes montent en guet-apens galion, parce que Manteca travaille cette Marie, et Manteca monte, et puis Jean Abol, qui était aide laborant, qui est dit non. De cette Marie. Il a bloqué tout le paquet là, bouquet, boto. Bouglavini, m'a ouvert les pommes là, mais il m'a tué 147 cuits grecs. Et numéro l'auto, moi. Et puis il dit, gardez tout le bail là bien. Il était dit, vous devez nous suivre à la gendarmerie, parce que le passager a du matériel militaire détourné. Matériel dit monsieur Kakia yo ka vann en face marché poisson. Non mais il y a pas idée important, ça le premièrement. Alors nous ka garder grève là monnier démarrer, démarrer etc. et puis monnier prend quoi nous créer des comités de grève dans chaque habitation. Ouais. Et ensuite nous créer un comité général de grève. Alors ça permet juste alors, les bailleurs et galions pour montrer qui monnier ça fini parce que maintenant machine à taper. Rébellion, moi t'ai ni des documents, tout ça, coq là. M'a dit, Jean, yo cible yo, nous obligé sacrifier puis ou kay pati. Tu bougla dit, moi, pas de problème. Et puis, j'ai quatre chèbelan, mais c'est pour dire honneur et respect pour Bougla. Ah, oui. Il quatre chèbel la porte là. Mais là, pendant quatre chèbel la porte là, moi, ou en yon tracteur qui a rentré galion. Et puis, moi, ou en t'y font tout venir. M'a dit, mettez le coup de démarrer, puis vous pas passer tout. Quand vous êtes là, les bottes, tout ça, nous casser Trinité. Quoi dans ce film cinéma, on le déroule. Et puis, tenir le premier petit chanconne là, m'envoie tout. Bagaille là, en bas chanconne là. Nous monter, nous faire pas, et chez Épice, en fait tout ça, remonter, serrer le tour avec après, et puis nous faire stop. Et puis, en gros, dirigeant de la DDE, l'auto-climatisé. Vous allez à Fort de France? Oui, monsieur. Et puis, il mettait nos villes, nous allons à un cabinet d'ancien qui était oui, Périnon, toujours. Nous expliquer ça, il dit tata. Il dit nous bon, et puis il n'y a pas jamais emmerdé nous, puisque il n'y a pas tenu. Photo à yoté les réussites. Bon, alors. Les photos à yoté toujours, bien. Si m'a dit, alors. Vous voyez, moi. Mais nous te voyons, bah. Non, mais il y a dans ça. Il y a dans ça. Alors. Vous voyez, moi. Alors, nous créons d'abord un comité de grève habitation, et puis nous créons un comité général de grève, tout comme ethnique, où les dirigeants des habitations de Kajouen Koyo. Ensuite, nous créons l'UPSOA, l'Union Patriotique de Solidarité avec les ouvriers agricoles. Il était là dedans, évidemment. Représentant ouvrier agricole, et puis il y a tant de lycéens, et puis les étudiants font cela. Oui, la GEM, etc. Mais surtout, il y a une série de chacun des patriotes qui partaient à presse et groupe noir, qui étaient capables de participer à ça, de populariser évidemment le mouvement dans toutes les communes. Je me rappelle qu'en 1973, première manifestation ouvrier agricole, Fort de France. Tenir centaines de écoles du Nord qui descendent, et puis en grand bandeau, c'est les ouvriers eux-mêmes qui ont libéré nous. Ouais. C'est Mamay Noir, Lorrain, Basse-Pointe qui étaient descendus, organisés ça, etc. Et tout le monde qui a sauté, c'est qui ça? Donc, après, en 1974, pas tenu carnaval. La Martinique était bloquée, tenu grève, la SPDM, tenu grève France-Antigne, et tenu grève tout partout. Mm-hmm. Et sur les, ça débouche en les qui ça? Ça débouche en les Ferdinand Alex, qui joue la jolle. Parce que estimé, c'est estimé, alors je t'en ai pas mort, pour que tu ne pas mort, je t'en là, parce que tu ne pas te monter, mais deuxième, l'année qui a fini de démarrer, nous avons vu l'école via Plotio, qui a craqué Marie Joseph, qui a dit, madame, je vais accoucher, je vais à l'hôpital, Marie, attends, tu n'as pas de ambulance. Il fait, non, dit, ça conduit, prends l'auto, allez. Et ça débouche en ça. Donc ça débouche en ça. Alors, incident, c'est-à-dire, Chalvé, dans plein de ananas, parce que sans bagarre. Alors, Mani Kaïmé balle toujours, hein. C'est-à-dire, Monique Aïmé Bal. Monique non Bougla qui dirigeait l'action. Le colonel Frappier. Le trouvé non et après dans les archives. Le colonel Frappier. C'est lui qui dirigeait Bala. Hélicoptère en haut. Et puis, en 5 et 6 Bougla, Chalvet dans plein de zananas. En zananas, c'est 75 cm de côté.
à Dambillon, à Dancillon. Et maman est là, l'air qu'on s'est tiré. Alors, j'avance à pied et à l'hélicoptère. Maman l'a plongé la capote, ça quittait petit puis jeune. Il y a un bug, enfin, c'est juste mon moteur, il a. Il mettait le tir en l'air et plongé la capote, etc. Ce qui fait qu'effectivement, nos pèdes, ils manient. Et une tenue comme blessé Guichat, c'est-à-dire etc. Crétinois, c'est vrai que Guichat. Guichat et machin. Et Rosas, François. Si vous pouvez permettre, comme il reste très peu de temps, je vais dire en bagaille que l'histoire qui a parlé des grands événements, mais l'histoire, c'est Mouna qui fait. Et drapeau rouge et noir, là, oui, songez, l'Algérie, songez, l'Indochine, Martinique, Tabou, quand on était famoso, mi drapeau révolution, mi tambour de libération. Alors, si vous permettez, parce que là, il faut que nous disions ça. Il faut nommer les gens, c'est Mouna. Tenir en l'équipe madame, dirigée par Josette Beaumaré, et puis Célina, Marie-Flo, Marie-Josée, Julienne, c'est madame Gisèle, à tête. C'était les Amazones qui t'ont amené ça. Tenir des jeunes Tibouk, Lucien Brulu, qui tenait 19 ans, Agnès Zogron, un Tibouk Yotekakri, Petit Plaisant, qui tenait 14 ans, parce que c'était à l'époque film raté. Dans le Nord, tenir Valdinia, Valdivia, Raymond, Jules Gabin, Monsieur Siré. Commandant Christian et Martin Goulet. Oui. C'est Mounta la CIO. Si vous partez en grève là, pas de succès de grève, alors, l'histoire pas de question. Oui, ni ça, ni c'est Mounta là aussi. Mais je pense que détermination manque à Montoy. Manque à madame exceptionnelle en tant que dirigeante, en tant qu'il sait parler, qu'il sait expliquer. D'accord. Et je ne suis pas tué parce que ma capacité est à dedans. Et après nous joignent, il y a des officiers de gendarmerie, qui était, parce que Cabor, c'est un sécurité, qui était venu au Cabor, et il a dit nous simplement que c'est madame gendarme-là, qui était dans le gendarmerie en Lelorin, qui était vrai la boue. Arrêtez de tuer, arrêtez, parce que c'est ça. François Rosas, tu as quelque chose ici, c'est madame, madame. Moi, nous, c'est parce que. Nous allons dévier dans l'autre vie. Nous allons dévier dans l'autre vie. Alors, on a dit simplement, ce n'est pas en commémoration. Nous ne pouvons pas les faire commémoration. Nous ne pouvons pas les faire ça. C'est pas, il faut seulement qu'ils comprennent la situation qui fait en Montala. Ces dernières grèves, modèle de la marchande, ces dernières grèves, etc. Après ça, il y a une modification du modèle économique qui basculait. Et que dans l'histoire de la Martinique, c'est 50 ans et un siècle de lutte contre l'usine et contre l'économie de plantation. Et qui terminait quoi et comme ça dans le sang. Et donc, Martinique, il ne faut pas nous changer, Charles Vissement. Changer qui, c'est des sacrifices des hommes et des femmes qui permettent aujourd'hui de vivre sans nous vivre. Pourquoi obtenir ça nous besoin. Monsieur Fonsa, merci en pile. Monsieur Saïd, merci en pile. Merci. Assurez pas peut-être. Faut que vous dévirez pour continuer parce que vous êtes chanceux quand même, vous êtes né coiffé, c'est pour ça pièce balle pas toucher les autres. Vous êtes crapon. Non, merci. Merci. Merci.